Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, la solennité de l'Ascension que nous avons célébrée jeudi a inauguré un temps nouveau pour les disciples. Jésus les envoie dans le monde pour poursuivre son œuvre. Dans l'évangile de ce dimanche, le Seigneur prie le Père afin de faire de ses amis les porteurs de la bonne nouvelle pour le salut de tous les hommes. Père Saint, garde mes disciples unis dans la fidélité à ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Frères et sœurs, Jésus adresse cette prière au Père pour ses disciples et donc pour chacun de nous aussi ce matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité est au cœur de la prière du Seigneur. Elle est demandée comme une grâce, car elle est bien fragile dans notre vie de tous les jours. Nous le savons et nous l'expérimentons au quotidien. Il ne peut y avoir de témoignage et de véritable amour que dans le temps et la durée. Nous sommes envoyés dans le monde pour être le cœur de Dieu, pour être témoins de son amour infini. Alors Jésus demande à son Père de nous protéger dans cette mission qui est bien difficile. Nous pouvons nous demander alors ce matin, frères et sœurs, quelle est notre part de responsabilité dans la marche de notre société et de notre Église, dans la marche de nos familles, de notre communauté. Notre vie est-elle encore une bonne nouvelle pour ceux qui nous rencontrent au quotidien? Car c'est bien pour cela que le Seigneur nous envoie dans le monde, annoncer la bonne nouvelle et devenir nous-mêmes cette bonne nouvelle par la qualité de notre vie. Frères et sœurs, la prière de Jésus pour ses disciples est aujourd'hui plus que d'actualité, car nous vivons dans un monde qui est passé maître
dans l'art de la guerre, de la haine, des divisions et des rancœurs entretenues. Et les chrétiens ne sont pas en reste, nous le voyons. En effet, que d'obstacles en nous et autour de nous à cette authentique unité et fraternité que le Seigneur veut pour les siens. Que de divisions dans nos communautés paroissiales, que de déchirures dans nos familles. Nous devons donc comprendre, frères et sœurs, que toutes ces rivalités et ces rancunes sont un contre-témoignage pour l'Église. Comment croire des chrétiens qui n'arrêtent pas de se critiquer les uns les autres, qui n'arrêtent pas de se combattre? Toutes ces paroles méchantes qui détruisent l'autre sont, nous devons l'admettre, un obstacle à l'annonce de la bonne nouvelle. Si nous vivons dans la haine et la division, nous ne sommes pas crédibles aux yeux du monde, frères et sœurs. Cependant, ne soyons pas trop pessimistes, car c'est dans les réalités concrètes de notre quotidien que l'Évangile se fraye un chemin. N'attendons donc pas, frères et sœurs, d'être parfaits pour nous tourner vers le Christ. Lui-même nous invite tout au long de cette Eucharistie à nous associer à sa prière pour l'unité de ses disciples. Frères et sœurs, nous connaissons notre fragilité, nous connaissons notre péché, nous connaissons les problèmes de nos communautés. Nous vivons dans un monde qui nous regarde vivre et qui ne nous pardonne pas les scandales dans l'Église, les scandales dans nos communautés et dans nos familles. Alors, plus que jamais, nous nous innocons ce matin à la prière du Christ pour l'unité et la fidélité de tous les chrétiens, particulièrement de nous qui sommes rassemblés ce matin dans cette Église. C'est à travers nos gestes d'amour, de partage et de solidarité que nous serons reconnus comme disciples du Christ et que nous témoignerons de son amour aux yeux des hommes et des femmes qui partagent notre vie au quotidien. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Thank you.